Au nord-est de l'île de Mayotte, sur la commune de Mamoudzou, se trouve l'un des secteurs les plus dynamiques du département. Un bassin d'emploi en développement, à proximité immédiate de logements et de commerces variés. Un territoire au passé symbolique et à l'avenir prometteur, le site du soleil levant. Situé face à la mer, dans le prolongement du secteur des Hauts-Vallons, le site présente un contexte économique et démographique idéal pour la création d'un quartier exemplaire, dont la qualité urbaine et environnementale modifiera radicalement le visage de la ville de Mamoudzou. L'opération d'aménagement de la ZAC du Soleil Levant s'inscrit dans un programme de développement ambitieux, durable et solidaire. Il permettra la création d'un quartier de ville mixte de 500 logements sur plus de 12 hectares. Le projet s'organise autour de trois concepts fondamentaux. Premièrement, deux voies primaires convergeant vers une place centrale, cœur du projet et lieu de vie majeur du quartier. Deuxièmement, des nombreuses rues secondaires connectant le voisinage au nouveau quartier et le quartier aux équipements, formant un réseau mixte de circulation douce et de voies piétonnes. Et troisièmement, des zones mixtes d'habitat, d'activités et d'équipements publics, juxtaposées de manière harmonieuse pour favoriser une vie de quartier agréable. La ZAC du Soleil Levant se décompose en trois secteurs distincts. La partie centrale est conçue comme un lieu de convivialité composé de promenades plantées, des placettes commerçantes, des jardins d'enfants et un plateau sportif animant le quartier. Le regroupement d'équipements publics tels que la maison de vie, la mosquée et le groupe scolaire en fera un véritable lieu d'échange et de convivialité. Ils seront aménagés à proximité immédiate de logements résidentiels, composés de petits immeubles collectifs et d'habitations unifamiliales en accession sociale. En contrebas, la rue commerçante sera connectée au reste du quartier et ses commerces seront abrités du soleil par de longues arches aménagées sous les immeubles de logement. La partie ouest sera dotée en son point le plus haut d'un belvédère offrant une vue panoramique sur le quartier face à la mer. Il permettra d'admirer le lever du soleil sur le lagon, renforçant l'identité forte de ce quartier. Une voirie à sens unique desservira des logements collectifs intermédiaires et des terrains à bâtir. En contrebas du site et en bordure de la ravine, des logements résidentiels en accession sociale, faits de maisons unifamiliales hautes, seront proposés. Le secteur nord du site sera connecté au nouveau quartier par une passerelle piétonne enjambant la ravine et permettant de rejoindre le quartier contigu de la commune de Kungu. Il offrira plusieurs terrains à bâtir desservis par deux voiries qui leur seront dédiées. La partie est s'organise autour d'une zone d'activité aménagée en pente douce, venant se raccorder à la route nationale 1 et aux équipements existants. Quelques bâtiments seront proposés à l'usage d'habitat et destinés au logement de fonction. Entrée secondaire du quartier, elle offrira un accès plus fonctionnel par la proximité du carrefour de la RN1 et des emprises déjà existantes. Son bâtiment signal, situé à l'entrée du site et face à la mer, donnera une identité forte à l'entrée du nouveau quartier. Ambitieux, innovant, inspiré, le projet de ZAC du Soleil Levant formera le nouveau visage de la ville de Mamoudzou. Il témoignera du savoir-faire de la société immobilière de Mayotte en matière d'aménagement urbain mixte, responsable et durable. Un projet d'aménagement urbain de référence pour mieux préserver l'avenir du territoire de Mayotte. La ZAC du Soleil Levant.